Bon matin à tous, ici c'est Michael, bienvenue sur GameIt, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueurs et plus si affinité. Ce matin, je vous propose de découvrir avec moi la démo technique de Dungeons of Aledorn, qui est un RPG développé et édité par Team 21, jouable en anglais et en tchèque. Il est encore en cours de développement. C'est parti! Je vous rappelle le principe de cette émission. Nous allons découvrir le potentiel du jeu afin de voir si l'on financerait son développement au complet, à moitié ou pas du tout, selon nos propres critères de sélection en matière de jeux vidéo. Maintenant que c'est clair, une petite précision, les développeurs ont lancé une campagne Kickstarter et il leur reste à peu près une semaine pour pouvoir compléter la somme demandée. Alors, donc si jamais le contenu vous intéresse, les liens sont dans la description de la vidéo. Alors donc, on va regarder ça de plus près. Le jeu est présenté comme un jeu tactique dont les combats se déroulent au tour par tour et de manière très hardcore, semble-t-il. Bon, donc on peut jouer, apparemment il y a une bataille navale et une bataille dans une espèce de grotte. Bon, on va voir. Ça pourrait être intéressant, n'est-ce pas? Alors donc, voici ce que vous avez. Voici les 4 personnages que vous allez pouvoir contrôler. Mais la mise en place, de ce que j'ai pu voir parce que j'ai joué un peu, la mise en place justement de ce combat tactique est assez déroutante au début. C'est qu'on vous explique pas, hein, c'est après que vous découvrez. Ah, ok, c'est comme ça que c'est fait. Alors donc on va pouvoir se déplacer avec WSD. Dès qu'on s'approche des ennemis, bien normalement, voilà, la bataille commence. Donc voici nos personnages. Donc comme ce tour par tour, c'est le jeu qui décide qui va commencer à jouer. Par exemple là, c'est ce personnage là qui s'appelle Ariam. Faut faire attention, c'est un mage. Donc, il faudrait éviter de l'envoyer au corps à corps, hein, parce que j'ai fait ça la première fois. Je me suis retrouvé, oh merde, c'est un mage. C'est pris des coups, mais assez mortel, on va dire. Voilà. Donc, ici, ce sont, on va dire, vos points d'action, je puis dire, pour pouvoir, bien entendu, effectuer des actions à votre personnage. Donc, on va commencer avec lui. Ah ouais, ici, il y a du, oh, j'ai un petit problème avec mon micro. Alors, donc, on peut regarder ça rapidement. Une portée de 2 à 8. Là, c'est 2 à 8 également, mais c'est une attaque mono-cible. Lui, c'est mono-cible également. Mono-cible, ok, c'est bon. Donc, on va essayer de se mettre à portée. J'appuie sur 3. Ah ouais, comme c'est une démo technique, il y a encore des petits problèmes au niveau du ciblage. On va peut-être se mettre là, un peu. C'est bon. On va continuer encore. Je pense qu'on a encore assez... On a plus de points d'action. Donc à ce moment-là, on doit cliquer ici. On va passer à William. William s'est emmêlé, donc il va se mettre entre les deux pour pouvoir, quand on essaie de distraire et détourner l'attention des ennemis. Est-ce qu'il peut attaquer ici? Non. Ouais, ok. Au niveau du ciblage, il faut faire très attention. Parfois même, il faut utiliser le zoom parce que, comme vous pouvez le voir, apparemment, pour que William puisse toucher cette cible-là, là, c'est bon, 100%. Donc, il faudra bien cibler. Ah bah, il faudra bien penser à ça. Alors, donc Marius également, je pense qu'il peut s'en occuper. Il devrait être à portée. Voilà. Ok, c'est bon. Donc ma stratégie en fait c'est de se focaliser sur un seul ennemi pour qu'on le tue assez rapidement. Ouais, le truc qui déroute c'est justement ici là. La première fois qu'on voyait ça, vous avez l'impression que tout cela ce sont vos personnages, mais en fait non, c'est plutôt l'ordre d'attaque de chacun des personnages inclus dans cette bataille, que ce soit vos personnages nouveaux ou alors les PNJ. Donc il faudra faire attention. Et peut-être faudra penser à d'une manière beaucoup plus stratégique. Par exemple, si vous savez que celui-ci va prochainement jouer, mais là, malheureusement, on peut pas avoir les stats, hein. Je veux dire, on a les stats sur les différents ennemis. Parce que si je clique dessus, normalement, mon personnage va vouloir attaquer. Donc, c'est pas ça l'idée. Alors, il y en a 2 ici. Je pense qu'ils essaient de se diriger vers celui-là. Donc, nous, on va continuer avec Thomas. Oh merde! Ah, j'ai fait bouger Marius au corps à corps. Alors que c'est un mage, putain, désolé. Oh là, ça va être chaud. Tcha, 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 tcha. Ouais, parce qu'il est fragile, donc... Et lui, il est où, Thomas? Il est là, waouh, il est loin, c'est ici. Bon, on va faire avec, hein. On va essayer de faire un zoom avant, est-ce qu'on peut attaquer déjà? Peut-être lui? Non, pas encore. On va quand même le mettre ici. Non, il ne peut plus. Non, attends. Est-ce qu'on peut tourner le truc? Voilà, comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Lui, il est foutu, là. Ça va être chaud pour lui. Mais bon, comme lui, il est, en fait, il est figé. Lui, joue quand? Donc, je peux rien faire pour l'instant. Donc, on va valider. Donc, la petite ninja qui est là, qui est passée en mode furtif. Là, ça devient un peu chaud. 3. Ah. Ok, alors. Donc, l'idée, c'est que... Je sais pas combien de tours, en fait. Il est fiché pendant combien de temps, celui-là. Donc, on pourrait ficher celui-là aussi. Voilà, au moins jusqu'au prochain tour. On va continuer à attaquer celui-là. Non, là, on va le refiger. Normalement, on ne devrait pas être embêté. Voilà. Il a encore des points. On peut aussi figer celui-là. On va utiliser le 3. On va le figer. Il ne passe rien. Voilà, au prochain tour. En plus, il est mort. C'est tant mieux. On va s'occuper de ce qui est déjà fragile. Voilà. Ensuite, lui. Non, on n'a plus de points. On a plus assez de points. Ok. Pour ça, ça va. Non, on n'a plus rien. Bon, d'accord. Ben on va passer. Là, on peut, mais ça va toucher les autres. Parce que c'est multi-cible. Parce que tout est multi-cible avec lui. Hein. Ouais, c'est multi-cible. Ah oui, c'est... Ok, non, c'est bon. Et voilà. Donc voilà comment ça se passe concrètement à ces niveaux-là pour le côté stratégique. Hein. Au début, donc le principal défaut, bon, sur le niveau graphique, c'est acceptable. Hein. Vous voyez, ce cas, on va pas lui en tenir rigueur. Je sais pas quel mot est utilisé, mais bon, ça va. Il y en a qui vont peut-être pas apprécier, d'autres oui, mais je veux dire, il y a rien de moche en tant qu'hôtel. Mais ce qui est important, c'est au niveau du gameplay, surtout que le jeu est présenté comme tel, genre hardcore, etc. Alors, de ce que j'ai pu voir dans mon premier match, les personnages, j'ai pas l'impression que les personnages. Ah, on peut continuer. Je sais pas si jamais vos personnages meurent, est-ce qu'ils meurent pour toujours? En ce sens-là, un peu comme dans Darkest Dungeon. Donc vous êtes obligé de recruter un autre équipage ou un truc comme ça. Bon, je sais pas si c'est fini. Bon, peut-être qu'on peut pas. Tente-toi. Ouais. On y va? On peut prendre? Non? Piloter ça? Non, naviguer. Bah non, apparemment c'est fini, hein. C'est juste une démo, n'oubliez pas ça. Alors donc, on peut aller avec ça, puis je vais vous donner votre... Mon impression n'est pas nécessairement positive, parce qu'il n'y a rien d'original, rien de nouveau, même voire rien de personnel qui donnera envie de jouer à ce jeu qu'à un autre. Est-ce que c'est le côté hardcore? Bon, dans la démo, malheureusement, on peut pas voir le côté hardcore. Est-ce que notre personnage meurt pour toujours, et puis il faut en rencontrer d'autres, comme je l'ai mentionné il y a quelques secondes, ou alors... c'est la difficulté des combats. Bon, ça va l'air assez abordable si on prend le temps de voir un peu comment les choses se passent. Il manque plusieurs fonctionnalités, comme par exemple voir un peu les caractéristiques des ennemis, savoir qui fait quoi, par exemple. Là, il y en a 3. Bon. Donc, je ne sais pas ce qui pourrait être intéressant. Ici, donc nous avons 3 ennemis ici. Lui, il va faire tout ce grand tour là. On a 5 ici, donc j'ai bien fait d'aller là-bas. C'est toujours mieux d'abord de se débarrasser. Quoique j'aurais pu venir ici avant pour tuer celui-là. Donc il y a... Ça a l'air générique. Honnêtement, ça a l'air générique. Peut-être ça qui a fait la différence, mais j'ai pas trop aimé la première fois parce que c'est pas expliqué justement qu'est-ce qui se passe ici. Mais moi, si on peut avoir les infos... Genre j'appuie sur le bouton droit ou gauche, etc. Quoi. On a juste ça, c'est mêlé, avec l'épée qu'on peut voir. Là, voilà, skeleton mage. Mage, distant, donc je pourrais... Voilà, quoi, donc... Non, c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il a l'air générique, en fait. Donc, il m'attire moins. C'est sûr que, bon, peut-être un peu plus loin, on va découvrir plus d'options, etc. Mais comme c'est une démo, c'est sûr que tout est bridé. Mais il faudrait que justement, quand vous offrez une démo, il faut quand même penser à essayer de l'offrir une idée des différentes fonctionnalités du jeu. Après, maintenant, c'est la personne qui teste ou bien qui découvre de s'imaginer que ça va aller plus loin dans cette option-là ou bien dans cette fonctionnalité-là. Alors que là, ouais, quoi. Ouais. Non. Donc, c'est à vous de voir. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que ça vous attire, ça vous donne envie? Ou du moins, ça vous intrigue à savoir, peut-être que ça peut donner quelque chose d'intéressant plus tard. Donc, on va attendre un peu si jamais il complète... on va jouer quand même. S'il complète... si ça arrive à avoir assez d'argent pour finir le jeu, ce genre de choses-là, je sais pas trop. Bon, c'est qu'une... c'est dommage. Donc, en attendant, ben voici, donc je rappelle, le jeu s'appelle Dungeons of Aledorn. Il est développé par un studio tchèque du nom de Team 21 et c'est un jeu de stratégie tour par tour. C'est censé être hardcore, mais je sais pas à quel point c'est hardcore, à quel niveau, voilà. Enfin, à quel point, mais à quel niveau c'est hardcore. Donc, à voir. Je peux attaquer lui, mais pas lui, trop loin. Okay. C'est le mage qui m'intéresse en fait. Donc on va se rapprocher un peu. Voilà. Tu peux encore? Non, pas assez de points ou n'est pas à portée. Donc. Thomas va s'occuper d'abord. Image. Donc, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien comme d'habitude. N'encouragez pas la médiocrité. J'attends vos commentaires sur le contenu que j'ai pu vous offrir jusqu'à maintenant de ce jeu. Ciao, ciao et bonne année.